signé Arthur Rimbaud ici, de la poésie. Il est devant le moteur, normalement le moteur dans les bateaux est derrière. Le but c'est ça, c'est que chacun s'accapare un petit peu quelque chose. Donc j'ai une culture assez large volante, 500 kg pièce, la belle. J'aimerais bien que toute la vie ce soit comme au Festival du Vent. On a commencé à travailler avec Karina parce qu'on jouait au Théâtre du Lucernaire à Paris, un spectacle. Et puis l'aventure elle a commencé comme ça. J'avais dessiné. D'année en année, maintenant, ben voilà, on a créé là deux spectacles vraiment pour cette année. Attention, ça fait mal. Hein. Voilà, monsieur Gaston, il va bien le tenir comme ça. Tenez bien comme ça, monsieur Gaston. Là, voilà. C'est bien. Alors, pendant ce temps-là. Une année sur l'autre, à se dire, tiens, pour l'année prochaine, comment est-ce qu'on pourrait apporter quelque chose qui fasse que ben, on soit vraiment en adéquation aussi avec et les valeurs et la dynamique du festival. C'est passionnant ce brassage, je vois les enfants, les adultes, les anciens, les jeunes, etc. C'est un petit îlot d'utopie qu'il faut absolument préserver. Et j'ai crié, crié, banquise, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh jamais, pour le père. Allez, à vous. Je trouve qu'on parle d'espèces en voie de disparition, mais... Nous, on est pour le réchauffement artistique, voilà. Le réchauffement artistique, voilà. Et puis l'accueil du public aussi, ça c'est génial. Quand je vous dis bonjour, vous me dites ça va, comment ça va? Bonjour, bonjour, on répond ça va, comment ça va? Les gens sont là aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les convaincre de dire venez découvrir, ils nous attendent. Et nous, ce que je trouve intéressant du festival, c'est qu'on est vraiment, c'est les individus d'abord, c'est l'humain d'abord. Et c'est, il y a la fonction, mais il y a l'humain. Tu es d'accord? Ah, complètement.